Nous venons d'une défaite, Renaissance aussi. Et je pense que c'est un match calendrier. Donc nous, on savait qu'on allait jouer Renaissance. Et après, bon, le contexte par rapport à moi-même, je pense que c'est comme ça la vie. Donc je suis aujourd'hui à Bazano. Peut-être que demain, on va me poser la question quand je serai ailleurs et que je vais jouer contre Bazano. Donc notre travail nous amène un peu partout. Et c'est pas cela qui fait qu'on puisse garder certaines choses. Le passé reste le passé. Mais aujourd'hui, nous avons un problème d'un match. Un match que nous nous plaçons sous le signe d'un nouveau départ parce que nous venons d'une défaite. Un match reste un match. Vous savez que Renaissance, c'est parmi les grands de ce pays. Donc Renaissance, c'est une grande équipe. Une grande équipe, non seulement par le nom ou par l'engouement que les gens ont autour de cette équipe, mais Renaissance prouve à qui on veut l'entendre que c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Donc on l'a vu l'autre fois contre le Popo. C'était des justesses que Renaissance a perdu. Donc Renaissance pouvait aussi battre cette équipe de le Popo. Donc moi je pense que nous avons en face une équipe costaud. Renaissance est bien organisée. Je connais les encadrés techniques qui sont là-bas. C'est des gens qui connaissent le football congolais. Donc voilà, quand c'est des gens formés. Après, bon, nous essayons beaucoup plus de travailler par rapport à nous-mêmes. On sait qu'il y a un adversaire qu'on doit jouer. Et surtout que notre football, les équipes ou les joueurs sont souvent imprévisibles. Aujourd'hui, ils vous sortent une chose, demain c'est une autre. Et c'est ainsi que nous, on se base beaucoup plus sur nos points forts. Et on essaie de travailler par rapport à ce qu'on a connu comme bêtise la fois passée pour essayer de nous améliorer. Voilà quoi. Donc, on a pris un but qu'on pouvait éviter l'autre fois. Et quitte à nous maintenant de travailler pour ne pas prendre des buts comme ça et essayer de marquer. Donc, on s'est créé moins d'occasions l'autre fois, mais on a fait circuler les ballons sans marquer. Ça, c'est pas la compétition. Donc, nous devons ajouter la dose compétitive dans ce qu'on fait. On a essayé de livrer au moins 3 matchs sans succès. Donc, je sais que non, c'est lourd pour nous. Mais demain, les matchs de Bazano, ça sera un autre match parce que vous savez, lors des derniers matchs qu'on a joué contre le Popo, vous avez vu que l'effectif n'était pas au grand complet. On savait que non, c'était un match remis. Donc, mais on nous a surpris, donc c'était le contraire. Mais je pense que le match de demain a un enjeu vraiment très capital pour nous. Donc il y a un seul objectif, de respecter l'adversaire, de produire notre bon football. Parce que ces derniers temps, on a essayé de perdre beaucoup de saveurs au sein de l'équipe. Donc on va essayer de renforcer nos capacités mentales au sein du groupe. Vous-même, vous avez vu que non. On a essayé aussi de faire un renfort au niveau de Kinshasa lors du match de Popo. Vous avez vu, les bancs étaient vides. Moi aussi, je viens à peine même de rejoindre le groupe. Donc, on va faire le nécessaire pour gagner le match de demain. Je sais que la tâche ne sera pas facile parce qu'actuellement, pas de complaisance. Bazano, c'est l'une des meilleures équipes de la compétition. C'est là engage que moi, parce qu'ils arrivent à produire bon football, donc ils savent peut-être manier les ballons, ils sont au point sur tous les compartiments. Je sais que non, demain pour nous, l'objectif c'est d'arracher seulement les 3 points pour redonner tous les groupes en confiance, même les chairman de l'équipe, pour qu'ils puissent continuer à nous soutenir à 100%. À part ce match aussi, j'étais suspendu. Voilà, j'étais suspendu. Ma suspension a été enlevée lors du match de Popo. Voilà. Bon, contre le Popo aussi, j'avais marqué. Bon, l'arbitrage, je répète. Ouais, c'est toujours comme ça. Bon, on va essayer. Moi, personnellement, même si j'ai fait un match sans marquer, ça me gêne très fort. Ouais, ça me gêne bien. Demain, on a un grand match. Je sais que ça ne sera pas facile, mais on va essayer de voir. On va gagner demain.